Bon, alors c'est très impressionnant d'être à côté d'Alexandre Astier, de voir, alors là, j'ai jamais fait de conférence et il y avait autant de monde que ça. On voit le vrai niveau et les guignols. Bon. Alors, est-ce besoin de présenter Alexandre Astier ? Non, je pense. Certains d'entre vous ont dû assister hier à son spectacle, l'exoconférence. Il y en avait hier ? Ah, c'est tout ! Bon. Donc, son spectacle, l'exoconférence, qui est à Nantes encore ce soir. D'ailleurs, une annonce préalable, une fois qu'on aura fini, on doit faire une heure, parce qu'ensuite, il y a des tables rondes qui vont suivre. Les gens qui vont suivre vont se trouver le paysage un peu dépeuplé, probablement. Alexandre Astier ne pourra pas rester pour faire des dédicaces, pour etc. Il a besoin de répéter, de se préparer pour son spectacle de ce soir, justement. Parce qu'hier, ça a merdé, donc il faut que je le... Donc hier, voilà, c'était pas si bon. J'ai personnellement quelques critiques, bah, bon, on verra plus tard. Non. Donc il ne pourra pas rester plus longtemps. Donc on va essayer, disons, lancer la discussion avec lui en lui posant quelques questions à propos de son spectacle et de son rapport à la science et à la science-fiction, puisqu'on est dans un festival de science-fiction où il y a de la science dedans. Et puis il y aura un peu de temps pour les questions, pour quelques questions. Si la personne qui balade le micro a la place de circuler parmi l'incroyable foule que vous formez et qui montre que la réputation d'Alexandre Astier n'est plus à faire. Donc d'abord, moi j'ai vu ce spectacle, donc hier pour la première fois, d'abord j'ai bien rigolé. J'ai bien rigolé parce que c'est un spectacle évidemment divertissant avec de la science dedans, et c'est ça que je trouve assez étonnant, un spectacle divertissant avec de la science dedans qui est juste. Alors la première question que j'ai envie de poser à Alexandre Astier, c'est est-ce que finalement vous aimez la science, ou est-ce que c'est par volonté de bien travailler que vous avez voulu que la science y soit juste, ou c'est pour toute autre raison que vous avez à ce point... Ils ont chiadé les discussions scientifiques de votre spectacle. Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que je pense que ce qu'on peut apprendre sur n'importe quel sujet est souvent bien plus inventif que l'idée vague qu'on peut en avoir avant d'écrire. Donc, moi, j'avais un fantasme comme n'importe qui, notamment au sujet des visites potentielles extraterrestres, de la vie qui est susceptible de nous entourer, d'être loin, près, d'un éventuel contact, et le fait d'avoir travaillé sur le sujet, d'avoir approfondi avec des physiciens, des astrophysiciens, et ça m'a permis d'avoir une vision que j'aurais pas pu avoir sans, qui est la vision physique de la chose, et les possibilités que ça ouvre ou non, ou que ça ferme. Donc je pense que quand on écrit et quand on présente un spectacle, même s'il doit être divertissant et rigolo, ça c'est une chose, mais il doit quand même faire preuve d'une avance sur le fantasme commun qu'on peut avoir sur un sujet. Je pense qu'un artiste, même si j'aime pas le mot, il se doit de faire un pas de plus que les gens qui viennent le voir, en tout cas que, pas les spécialistes, pas si Roland Lehoucq vient me voir, évidemment, bon bah là c'est autre chose, mais si les gens qui sont pas astrophysiciens dans la vie viennent me voir, il faut que j'ai fait un petit pas de plus que ce qu'ils ont fait eux-mêmes, voilà. Donc du coup, finalement, de travailler cette conférence, ça a fait évoluer finalement votre vision du monde, en tout cas votre compréhension du monde, votre vision du monde finalement, en tout cas scientifique du monde. Complètement, à commencer par les distances. Je crois que c'est... tout le monde sait que les objets célestes sont loin de nous, que même la Lune et que Mars, sur lesquels on s'est rendu, ont beau être suffisamment près pour qu'on s'y rende, elles sont quand même déjà très loin, mais en tout cas dès qu'on sort de notre système solaire, les premiers objets sont extrêmement loin. Mais je pense qu'il m'a fallu étudier un petit peu pour me rendre compte à quel point ils sont loin et à quel point ils sont, en tout cas dans la mesure de nos connaissances actuelles, inaccessibles, et ce pour un bon moment encore. Et donc cette inaccessibilité, effectivement vous essayez d'en rendre compte, enfin à rebours finalement, comme on dit du point de vue de Sirius, c'est-à-dire que quand vous avez cette discussion qui mime finalement ces extraterrestres qui viennent faire une mission d'abduction, ils veulent enlever, étudier les terriens, et vous mettez en perspective l'effort considérable qu'il y a à fournir pour venir là, vous montrez finalement d'une façon un peu le ridicule, l'idée que des humains puissent être enlevés pour la simple étude de leur partie génitale, pour être clair, est un peu tellement ridicule. Ça ne motive pas de façon suffisante une expédition de cette ampleur. Je crois qu'en fait, je pense que l'anthropocentrisme, le fait de nous penser centre de quelque chose, n'a pas tellement bougé. C'est-à-dire que même si on sait que notre planète n'est pas au centre de l'univers depuis
depuis Copernic et compagnie, c'est vrai qu'on croit quand même que plus haut, il y a des gens qui nous ressemblent, de près ou de loin, qui ont une intelligence comparable à la nôtre et qui sont capables de nous comprendre, de nous juger, de nous aider. Et en fait, si jamais ils ne nous sont pas suffisamment cousins, je pense qu'on ne s'intéresserait même pas à leur existence. C'est-à-dire que si on rencontrait demain une vie bactériologique sur un astre, je pense que ça ferait les titres des journaux pendant 3 jours, mais pas tellement plus que ça. C'est-à-dire que ce qui compte, ce n'est pas de rencontrer une vie extraterrestre, c'est de rencontrer une vie avec laquelle on peut avoir un contact, et avec laquelle on peut avoir des échanges, et qui peuvent nous juger, et qui peuvent nous rendre une image de nous-mêmes. Et je pense que nous sommes suffisamment narcissiques pour avoir fabriqué la mythologie extraterrestre exactement à l'image qu'on attend de nous et pas des autres. Du coup, vous vous êtes de cette façon fait le porte-parole de ce fantasme de la vie extraterrestre. Vous avez choisi le thème de cette conférence, l'exoconférence, qui parle aussi d'autre chose. Vous abordez aussi des thèmes autour de la formation de l'univers en début de conférence. Vous abordez aussi, on y reviendra, des problèmes sur la science et l'inquisition. Finalement, est-ce qu'il faut toujours penser, comment doit-on penser? Est-ce que penser juste, c'est quelque chose qui est universel? Et est-ce que tout le monde pense qu'on pense juste? Évidemment, une question dont on va reparler. Vous êtes fait finalement le porte-parole de ces fantasmes d'une vie qui nous ressemble finalement. Et est-ce que c'est pour ça que vous avez choisi ce thème de la vie extraterrestre pour l'exoconférence? Je pense que la première utilisation de l'extraterrestre, entre guillemets, c'est de parler de nous. C'est de parler des différences qu'il y a, et notamment, on a très souvent, dans toute l'histoire de la mythologie extraterrestre, fabriqué des extraterrestres qui nous jugent et qui sont capables de nous donner un jugement sur ce qu'on vient de faire, notamment à l'époque nucléaire, où on commençait à mettre notre planète en danger avec les bombes, etc. Je pense qu'on a eu besoin de créer une entité susceptible de juger ce qu'on fait et de nous donner une réponse. On a inventé un second dieu, en fait, un dieu 2.0 du XXe siècle. À chaque fois qu'il s'agit d'extraterrestres, maintenant que j'ai écrit et que j'ai dit ce que j'avais à dire dans ce spectacle, et que je continue à le faire avec plaisir, à chaque fois qu'on parle d'extraterrestres, que ce soit en science-fiction ou en science ou dans des débats qui sont supposés sérieux, on peut toujours se poser la question de ce que ça apporte à la question humaine. Et pourquoi est-ce qu'on est en train d'évoquer les extraterrestres de cette façon, et comment est-ce, par quel prisme ça nous fait nous regarder nous-mêmes? Et à chaque fois, ça marche. On est quand même en train de parler de nous tout le temps. Absolument. Ça, c'est un peu vrai aussi qu'avec ce running gag que vous avez autour de la Piaque Pionnier, qui revient régulièrement dans le spectacle, et qui finalement, son analyse évidemment est tout à fait intéressante, et n'est-elle pas finalement en plus un message à vision pour les humains qui l'ont envoyé, pour les humains qui ne l'ont pas conçu mais qui la voient partir, que pour les extraterrestres éventuellement qui la capteront dans des centaines de milliers d'années? Mais de toute façon, à partir du moment où la sonde a été envoyée en direction d'Aldébaran, c'est 65 années-lumière, ça voudrait dire qu'à la vitesse de Pionnier, c'est 2 millions d'années, quelque chose comme ça, avant qu'elle n'arrive là-bas. Je pense que la plaque n'est pas très compréhensible, puisqu'elle n'est pas compréhensible déjà par la civilisation humaine, alors qu'elle est censée parler de nous. Elle sera encore moins compréhensible sur Aldébaran, à mon avis, mais je crois que c'est pas grave, parce que c'est un symbole. Effectivement, c'est symbolique. C'est une manière de dire nous sommes en mesure d'envoyer une bouteille à la mer, nous sommes en mesure d'envoyer un message à des gens qu'on ne connaît pas et dont on ne soupçonne pas la nature. C'est plutôt la prouesse technique, c'est plutôt la poésie qu'il y a dessous, même, pourquoi pas, qui compte, plutôt que réellement s'adresser à quelqu'un qui va la recevoir et qui serait en mesure de comprendre qui on est et à quoi on ressemble. C'est plus poétique qu'utile, je pense. Vous avez essayé de la comprendre sans avoir la doc, si j'ose dire, sans avoir, parce qu'évidemment, les Carl Sagan et le groupe de scientifiques qui ont produit cette plaque, ils ont expliqué pourquoi la teneur du message. Est-ce que vous avez tenté le coup sans la réponse, si j'ose dire? Non, mais sans la réponse, je ne comprends rien. Et avec la réponse, je ne comprends rien non plus. C'est-à-dire que... Non. L'unité de distance et de temps est calculée par rapport au spin de l'atome d'hydrogène. Alors vous, Roland Lehoucq, vous savez ce que c'est? Moi, non. C'est-à-dire que je vois deux rondelles avec deux bouts de machin et deux bouts de trait. Je sais qu'il s'agit d'une unité qu'on peut déduire. Il n'empêche que même sur Terre, si la personne n'est pas capable de parler de spin d'atome d'hydrogène, on est donc bien incapable de parler de distance et de temps sur cette plaque. C'est vrai que c'est une plaque. Il y a quand même un a priori dans cette affaire. Et c'est vrai, dans la plupart des messages, et même des messages qui n'ont pas été envoyés, qui ont été juste imaginés, par exemple par Gauss, un mathématicien allemand, il y a un a priori qu'on veut envoyer un message à une espèce qui pense, une espèce intelligente. Comment leur prouver que nous sommes intelligents, ou comment se faire une opinion sur leur éventuelle intelligence? Et une façon
qu'avait imaginé tout de suite Gauss au 19e siècle, c'est de dire on va leur envoyer des mathématiques. En fait, on va leur envoyer le truc le plus impitable qu'on puisse leur envoyer. S'ils pigent le coup, c'est qu'ils sont intelligents et que du coup, ils déduiront qu'on est intelligent. Donc Gauss imaginait faire des grands triangles rectangles, des grands triangles rectangles à la surface de la Terre de centaines de kilomètres de taille, visibles depuis la Lune, où l'on imaginait à l'époque qu'il y avait des sélénites. Et donc, finalement, cette plaque, elle est intelligente peut-être un peu trop pour les humains et peut-être trop pour les extraterrestres. Bah, si elle est censée trier ceux qui sont censés venir nous voir, ouais, ça marche bien. Mais du coup, comme elle trie aussi 96% des humains qui sont pas capables de la comprendre, ça veut dire qu'en fait, l'intelligence humaine, ça tiendrait dans cette salle, en fait. C'est une plaque pour les geeks qui comprennent quelque chose. Oui, c'est ça. Donc c'est juste 5% de la population. Et après, pour les autres, tant pis s'ils comprennent pas. De toute façon, c'est pas pour eux. Il faut reconnaître que la plaque, elle est assez gratinée. Bon, c'est vrai qu'aussi, cette plaque, elle a les aspects scientifiques, la partie purement technique, sur la façon dont on définit les échelles, la façon dont on repère la Terre, la façon dont on donne le début du voyage, d'ailleurs, dont vous vous moquez de façon assez divertissante, en disant, les gars, ils expliquent le début du voyage, alors qu'ils font un voyage de 2 millions d'années, ils expliquent les 18 premiers mois. Évidemment, les 2 millions d'années qui suivent, ils ne l'ont pas fait encore. On ne sait même pas si la plaque survivra à ces 2 millions d'années. Mais il y a aussi ces deux humains, ces deux personnages qui sont là. Et ceux-là, ils sont assez intéressants, parce que ce sont des... Vous pouvez nous raconter un peu comment vous les avez croisés, parce que vous avez retrituré cette image-là, vous l'avez évidemment déformée et transformée de façon pertinente pour finalement une critique de notre humanité ou de notre représentation de l'humanité. Je ne suis pas persuadé déjà que nous, quand on regarde la plaque, on voit les deux personnages et on sait tout de suite que ce sont les personnages, entre guillemets. Moi, à mon avis, une civilisation extraterrestre, pour peu qu'elle soit bien différente de nous, n'a pas les moyens de savoir si eux sont les personnages ou si eux ce sont une autre forme de mesure ou si c'est la sonde elle-même ou si les pulsars, c'est pas plutôt les personnages, c'est-à-dire qu'on serait une planète habitée par des trucs avec des traits concentriques, pourquoi pas. Et je pense qu'il y a vraiment... Il faut vraiment être humain pour piger cette plaque et encore, il faut être éduqué. Mais ces personnages... Bon, c'est une plaque qui a été faite en 72... C'est la femme de Carl Sagan d'ailleurs qui l'a dessinée elle-même. Est-ce qu'il y a des engueulades de couple derrière? On ne sait pas, on sait pas plus, mais pourquoi pas. Et ils ont quand même dessiné deux personnages qui convenaient à tout le monde, c'est-à-dire à ceux qui se sont dressés contre Carl Sagan parce qu'ils mettaient en scène des personnages nus. Déjà, ça posait des soucis. En même temps, ça aurait été assez grotesque de les habiller. Et comment les habiller d'ailleurs? Donc après, madame, elle a des parties cachées un peu sur elle, pas vraiment cachées, mais pas dessinées. Donc c'est quand même une plaque qui transige beaucoup avec la réalité, parce qu'elle doit convenir à peu près à tout le monde. Et déjà, ça part mal, parce que comme on n'est pas capable de se mettre d'accord, nous, avant d'envoyer une plaque aux extraterrestres, je pense que c'est bien qu'on ne soit pas en contact avec eux. Pas encore, en tout cas, c'est mieux. Oui, c'est vrai, il y en a certains qui avaient prétendu d'ailleurs qu'on donnait finalement une sorte de plan pour arriver au système solaire. Si on tombe sur l'extraterrestre un peu désagréable, Mimi par exemple, il a l'air gentil, après tout il discute avec le personnage que vous incarnez, mais oui. On sent qu'il est, un peu atrabilaire quand même ce Mimi. Belliqueux. Oui, belliqueux, donc on n'aimerait pas trop qu'il vienne nous rendre visite, parce que il pourrait s'énerver. Ben, c'est-à-dire qu'en 70, on pensait qu'envoyer une plaque de l'époque Flower Power et pacifiste, on allait tomber évidemment sur une civilisation extraterrestre, Flower Power aussi, au même moment. Si jamais on tombe sur des vénères, c'est pas bon, quoi. Enfin, nous, on sera pas là pour les recevoir. Hein. Le temps qu'elle arrive, 2 millions d'années, non, ça va, on a le temps. Mais bon, faut faire gaffe, quand même. Oui, c'est vrai que on met beaucoup d'humains, de l'époque dans ces messages. Et à l'inverse, quand on a cherché, alors je vais pas dire à communiquer, mais à écouter s'il y avait des émissions extraterrestres. La question se posait à l'inverse, comment reconnaître dans le bruit de fond un signal qui soit quelque chose dont on peut reconnaître comme émis, d'abord que ce soit non, qu'il soit artificiel et non pas naturel, et éventuellement émis par une espèce intelligente. Bon, on s'est pas dit que c'était une histoire de régularité, non de... Alors effectivement, les pulsars dont il est question sur la plaque pionnière, la découverte des pulsars, ils sont appelés les premiers, on les appelait LGM 1, 2, 3. On ne savait pas que ça ne s'appelait pas encore des pulsars. Ils se sont appelés LGM 1, 2, 3. LGM, c'est-à-dire Little Green Men, les petits hommes verts, 1, 2. Parce que c'était un signal périodique, pulsé, et on s'est dit, peut-être que cette chose-là, ça, c'est une source, avant de comprendre que c'est une source naturelle, que c'est une source artificielle. Ah, moi j'ai une question. Est-ce que le signal WOW, on sait ce que c'est ou pas? WOW? WOW. Non.
On sait pas. Pour le signal WOW. Bah, le signal WOW, c'est ce fameux signal qui a été capté en 77, je sais plus quoi, qui représente une fréquence qui n'était pas un pulsar, et même si on maintenant on a vérifié, et on sait toujours pas si c'est un écho d'un signal humain. C'est pas, si comme il s'est pas reproduit, les signaux densétiques qui ne se sont pas reproduits, évidemment, on ne sait pas. Ça peut être un seul endroit, il y a un gars qui a mis un, il a allumé sa lampe de poche, il a éteint. Ah, tant pis, vous n'avez pas eu le temps de capter ce qui se passait. C'est ça qui est un peu dommage. Il y a quand même un espoir. Et du coup, est-ce que vous avez eu du mal, vous, à rentrer dans la science? C'est-à-dire, vous êtes un amateur de science, vous lisez de la science, vous intéressez à la science, disons, naturellement depuis votre plus tendre enfance, ou est-ce que c'était une volonté de parler de science parce que c'est quelque chose qui me paraît important? Moi, j'ai toujours voulu être astronome quand j'étais petit. J'aurais bien voulu l'être. Je voudrais d'ailleurs encore l'être, mais là, j'ai plus le temps. Il faut que je passe mon bac et tout. Enfin, c'est compliqué. Mais j'ai toujours voulu faire ça, j'ai toujours, j'ai un télescope, j'ai toujours... Et vous l'utilisez? Vous avez un télescope et vous l'utilisez? Ah non, je n'utilise pas, non, pas déconner. Parce que non. Des fois, il y en a qui ont des télescopes très chic, ils disent, voilà, c'est pour faire pour non, faire chic, c'est quoi. Non, mais c'est quand je reçois 2-3 gonzesses, bon, je dis, j'ai un télescope, ça me rassure un peu. C'est pas à vous que je vais apprendre le goût, je veux dire, tout le monde le sait, hein, d'accord. C'est vrai que l'astro, il faut reconnaître que c'est pas mal pour draguer, je reconnais. Non, j'utilise mon télescope, c'est vrai, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut avoir un télescope quand même très familial, public, qui fait des choses extraordinaires. C'est-à-dire qu'avec un... Là, on peut parler des marques, mais avec un MID à 1300, 1500 balles, on a quand même les anneaux Saturne et tout ça. Parce qu'à la fin du spectacle, vous me confirmez que vous n'avez pas d'action dans les marques de télescopes Ben non, je n'en donne pas. Vous n'en avez pas, mais à ce moment-là, vous avez des actions dans toutes les marques de télescopes à tout hasard. Non. Parce que ça, c'est un message qui est assez rare, d'inciter le public... finalement à lever le nez vers le ciel, parce que c'est vrai que si je vous demande c'est quoi la phase de la Lune en ce moment, qui c'est la phase de la Lune en ce moment? Personne, je vois. Ah, il y en a un ou deux, mais ils ont regardé sur leur smartphone vite fait. Non, il y en a pas. Ah, vous savez vraiment. Je suis de lever les yeux, on la voit en ce moment. Bon, faut se rappeler qu'il y a eu une éclipse totale de soleil il n'y a pas longtemps. Et le 20 octobre, on voyait une éclipse partielle de soleil qu'on n'a pas vue en France. Donc, c'était la nouvelle Lune le 20 octobre. Donc, on sait automatiquement qu'on est autour du quartier là. Mais voilà, ça, c'est un raisonnement d'astro. Parce qu'ils se rappellent de l'info, mais si on ne lève pas les yeux, on ne connaît pas la phase de la Lune, et la Lune, on la voit en plein jour. Donc votre incitation, je la trouve tout à fait étonnante et rare dans un spectacle de divertissement, de dire, ben, regardez le ciel, levez les yeux, achetez un télescope, achetez une paire de jumelles, jouez avec une paire de jumelles, vous avez peut-être ça chez vous, et vous verrez des choses merveilleuses que l'œil ne voit pas habituellement. Je pense que déjà, encore une fois, Francis Ford Coppola, on en parlait à la radio tout à l'heure, il dit... je mets toujours dans mes films une recette de cuisine, parce que comme ça, si les gens aiment pas le film, au moins ils sortent et ils ont un truc, c'est pas mal. Moi, j'ai pas commencé à filer des recettes de bouffe parce que je veux pas prendre la même truc que lui, mais effectivement je pense qu'on ne peut pas regretter un message comme ça. C'est à dire que si dire aux gens sur les smartphones et les tablettes, maintenant il y a des logiciels qui vous permettent de les braquer en l'air et de savoir exactement ce que vous regardez, que ce soit des objets artificiels ou naturels. On peut connaître leur nom, on peut connaître leur classification, on peut savoir ce qui va devenir demain, après-demain, aller dans le temps, dans le passé. Et en plus de ça, avec un télescope qui est largement abordable du prix d'une grosse télé, en gros on peut voir des choses dont on ne pensait pas qu'on pourrait les voir il y a quelques temps. Je pense que je ne perds pas mon temps à annoncer ça le plus modestement du monde, quoi. Oui, c'est ça. Et ça, je trouve, moi, enfin, personnellement, j'étais très touché par cet aspect-là du spectacle. C'est-à-dire, on sent que c'est un spectacle de divertissement, évidemment. Néanmoins, il y a de la science dedans. Et il y a ces messages-là qui passent sur la théorie du complot, sur réfléchissez par vous-même, sur lever les yeux au ciel, ou ça veut dire plus généralement réfléchissez, intéressez-vous au monde qui vous entoure. Et c'est finalement une démarche qui vous anime depuis longtemps. Enfin, vous êtes d'être curieux du monde, mais curieux par la lorgnette de la science finalement, ou par la lorgnette des sciences en général. Oui, parce que je crois que il y a quand même dans la population des gens qui ont mal vécu l'école, déjà, rien que l'école, ou les examens, ou l'étude en général, et qui se sont dit à un âge assez jeune que c'était pas pour eux. Que la science, c'est pas pour eux. Moi, j'ai vécu ça avec la musique, parce que ça, c'est vraiment mon domaine, et je sais qu'il y a des gens qui se disent, à un âge pourtant, même dans leur vingtaine d'années, bon, non, bah, la musique, c'est pas pour moi. Pourquoi? Parce qu'on leur a dit à un moment qu'ils n'étaient pas doués pour ça. Et ce qui est totalement faux, et on est bien d'accord que la musique, comme la science, sont deux vérités terrestres qui sont abordables par n'importe qui à partir du moment où on l'aborde par le bon truc. Donc, moi, j'essaye vraiment modestement de dire qu'il n'y a rien d'interdit à personne et qu'on peut mettre un pied dans n'importe quoi aussi complexe que ce soit,
n'importe quand, et qu'en plus de ça, on peut y découvrir des choses dingues. Moi, à 40 ans, j'ai compris à peu près ce que c'était que la relativité et la dilatation du temps. Je vous assure que quand on se rend compte à 40 ans qu'on a vécu dans un temps qui n'est qu'une convention, et qu'en fait, la montre de Roland Le Houx, si jamais il fait un aller-retour aux toilettes, alors que moi je reste ici, elle va retarder sur la mienne parce que la relativité restreinte aura ralenti sa branche par rapport à la mienne. Moi déjà, à 40 ans, j'ai compris que ça, et moi ça m'a bouleversé. Je sais que ça peut bouleverser n'importe qui n'est pas tout à fait au courant de tous ces trucs-là, alors qu'en fait, ils sont sous notre nez. Donc, encore une fois, modestement, le seul truc que j'essaye de faire, c'est de pointer du doigt des choses qui sont juste devant nous et qui, des fois, par la flemme ou par la vie qu'on mène ou par certaines facilités qu'on prend ou des chemins, voilà, on passe à côté de trucs alors qu'en fait, il s'agit de notre vérité et de notre quotidien. Vous inscrivez vraiment dans cette tradition, alors, finalement, de Jules Verne, enfin, du... peut-être pas didactique, vous défendriez d'avoir une volonté didactique dans ce spectacle, quoi qu'il y en a une par certains aspects, mais... vous inscrivez dans une dynamique, disons, du merveilleux, scientifique, comme disait Maurice Renard au début du XXe siècle. Maurice Renard qui cherchait à qualifier cette littérature, Jules Verne, Herbert Wells, Edgar Poe, René Aîné, tous ces gens émerveillés par les sciences et qui voulaient aussi les expliquer, ils avaient une volonté didactique, et qui appelaient ça le merveilleux scientifique en disant, eh bien c'est la merveille envisagée scientifiquement et la science poussée jusqu'à la merveille. Et donc cette... émerveillement, qui peut être aussi un divertissement pour aspect, et cette science en même temps peuvent faire finalement cause commune selon vous. Bah complètement, mais de toute façon on est bien d'accord que quand on est au collège, au lycée ou quand on fait des études, le sujet abordé est rarement en cause, et pourtant pour le même sujet vous pouvez avoir un prof merveilleux qui vous invite à en savoir plus, qui fait que vous avez des bonnes notes parce que vous êtes inspiré, parce que lui-même l'est aussi, et vous avez pour le même sujet un prof chiant qui va vous faire une vie désagréable, vous n'aurez pas envie d'écouter, et il faut rester critique vis-à-vis de ça, c'est-à-dire que je pense que les profs qui dégoûtent, par exemple en musique ou en science, certaines parties de la population d'une étude sont des gens qui sont dangereux et qu'il faut critiquer en tout cas, il ne faut pas rester comme ça, passif vis-à-vis de gens qui sont susceptibles de vous dégoûter d'un truc, alors que simplement c'est parce qu'ils ne savent pas faire. Une autre question maintenant plus centrée sur la façon dont vous avez créé votre spectacle. Vous êtes documenté manifestement, vous avez rencontré des scientifiques, vous avez dû recevoir, j'imagine, une quantité énorme d'informations. Est-ce que il y a une... comment vous avez fait en pratique pour synthétiser, vous qui n'êtes pas scientifique, cette masse d'informations qui vous a été donnée, ce que vous aviez envie de mettre dans le spectacle, pour en faire un spectacle? Comment ça se... intellectuellement, ça mouline? Moi, ça m'intéresse toujours comment ça tourne dans la tête des gens. Ah ouais, mais ça, c'est ma mayonnaise, quand même. Ah ouais, t'as vu les gars là, qui viennent? Moi, je veux que ça fasse pareil pour moi. Comment on fait? Il y a deux aspects dans l'écriture. Il y a la structure et l'inspiration, en gros. Hein. L'inspiration, c'est... les choses qui vous parlent, c'est-à-dire qu'il faut savoir reconnaître dans les choses que vous entendez et qui vous entourent, les choses qui vous émeuvent, parce que probablement que sous le fait qu'elles vous émeuvent, il y a la potentialité qu'elles aient d'émouvoir les autres. Donc il faut bien retenir ça, et ça c'est vraiment de l'inspiration, c'est-à-dire vous devez croire, avoir la foi dans un sujet, c'est-à-dire vous savez que si vous avez envie de parler de ça, le fait d'avoir envie d'en parler, c'est que c'est justifié d'en parler, ça crédite cette idée. Et puis après, il y a la structure, les actes, comment on parle, est-ce que la pièce parle de quelqu'un qui change, notamment est-ce que le conférencier, en l'occurrence, est quelqu'un qui fait un parcours, auquel cas, par où il passe. Donc là, il y a des tas d'outils de Campbell à Vogler, en passant par pour essayer de comprendre et de se fabriquer sa propre façon de structurer une pièce. Mais c'est bel et bien la rencontre entre le système de la structure et l'inspiration. Donc moi, en l'occurrence, je prends beaucoup de notes. J'utilise un logiciel, j'ai pas de part non plus, mais je peux le dire, qui s'appelle Evernote, c'est-à-dire qui me permet de prendre des notes n'importe quand. Des notes qui peuvent paraître anodines, mais qui comptent pour moi, et dont je ne sais pas encore ce que je vais faire. Donc je prends des notes. Je mets mon réveil la nuit aussi, pour me réveiller en pleine nuit, parce que quand vous vous réveillez en pleine nuit, vous avez conscience de vos rêves. Alors que quand vous vous attendez de vous réveiller le matin, vous n'en souvenez plus. Donc vous pouvez mettre le truc snooze là, du matin qui rajoute 9 minutes quand on n'a pas envie d'aller au machin. Quoi. Donc, et ben ça, si vous le faites 10 fois de suite, par exemple, et que vous vous réveillez toutes les 9 minutes, c'est cruel, n'empêche que vous vous souvenez exactement du travail de votre cerveau pendant que vous dormez. Et là, effectivement, il faut avoir de quoi prendre des notes
tout de suite, parce qu'en plus, dans cette espèce de demi-sommeil, elles sont difficiles à déchiffrer après. Ouais. Donc voilà, ça compte. Enfin, c'est tout un tas de bricoles comme ça. Ah, c'est intéressant. Parce que moi, ce qui m'arrive de faire, c'est dans les films de science-fiction que je vois, par exemple Interstellar, qui va sortir bientôt, je vais refaire mon trip de dingue, j'ai rêvé avec ma frontale, et parce que pour pas éclairer trop les gens, mes papiers, mon crayon, je vais noter ce que je vois pour en faire les thèmes de conférence ensuite. Donc on a chacun des... On est bien d'accord qu'il ne faut pas faire ça dans le spectacle vivant, hein, parce que le type, il voit... Ça va l'énerver, quoi. Ah ouais. Moi, jamais dans le spectacle vivant. Moi, je prends les notes discrètement, mais... Non, pas de problème. Et du coup, la forme de la conférence, l'exoconférence, ça vous touchait cette forme assez particulière, finalement, de la diffusion des connaissances scientifiques, la conférence un peu ex cathedra du scientifique qui parle au public? Oui, et puis déjà, c'est très agréable de s'adresser au public avec ce qu'on appelle un quatrième mur, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une fausse adresse au public. Je ne m'adresse pas à des gens en particulier, comme c'est la mode un peu dans le stand-up et tout ça, de dire, de désigner des gens. Moi, c'est une fausse adresse, c'est-à-dire que je m'adresse comme s'il y avait un mur qui était devant moi. Mais il y a vraiment une manière de présenter une conf, quoi, c'est-à-dire avec un écran, avec des infos, avec... ça, c'est un truc que j'ai toujours aimé. Je pense que François Rollin, le professeur Rollin, c'est un truc qui m'a inculqué un peu, parce que c'est un ami et un peu un père dans le métier. Donc c'est un truc que lui a toujours fait, c'est-à-dire qu'il a toujours passé les choses qu'il voulait passer au travers du cours, ou de la leçon, ou du conseil. Et il aime bien ce... Quand vous dites une grosse connerie, si jamais vous mettez un écran avec des effets 3D qui confirment votre connerie, bah d'un coup, on dirait que c'est vrai. Donc c'est plus simple. C'est plus simple, ouais. Du coup, j'ai oublié la question que je voulais vous poser. C'est pas grave. On est bien là. On est bien là. Bon, ben, très bien. Donc, oui, je parlais de la conférence. Attendez, j'ai de retrouver mon fil de questions sur la conférence. Parce que le professeur Rollin, c'était quelqu'un que j'avais trouvé intéressant. Ah oui, voilà. Parce que moi, je vous ai connu. La plupart des gens qui connaissent Alexandre Astier, ils le connaissent pourquoi ? Kaamelott. Qui vote pour Kaamelott ? Bon, d'accord. Moi, je peux vous dire comment je connais Alexandre Astier. C'est moi qui n'ai pas la télé, donc je ne sais même pas que Kaamelott, ça existe. J'ai connu Alexandre Astier parce qu'il y a un copain une fois qui m'a dit « Regarde sur YouTube, il y a une vidéo délirante d'une conférence de physique marrante qui s'appelle « Physique quantique, un bilan mitigé ». Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je vais voir ça, j'étais mort de rire, j'ai dit « C'est qui ce mec ?» Alors après évidemment, internet aidant, j'ai dit « Ah, c'est lui qui a fait Kaamelott que j'ai jamais vu et qui paraît-il est très drôle, que je connais pas, que j'ai jamais vu. » Donc, du coup, je suis tombé sur Alexandre Astier par cette conférence de physique quantique, un bilan mitigé. Et donc, est-ce que cette conférence, qu'on a vue finalement que sur ces jouages, sur YouTube finalement, est-ce qu'elle a servi de démarrage Moi, j'y vois des corrélations, je vous dirais après, éventuellement, si vous... Avec l'exoconférence. Complètement. Et c'est ce sketch-là que j'avais fait à l'Olympia. En fait, je ne l'ai fait qu'une fois. C'est-à-dire, je l'ai écrit, répété 3 heures, et puis j'y suis allé. Donc, il n'existe qu'une fois. Donc, effectivement, il a circulé sur YouTube, mais c'était très nettement une espèce de galop d'essai pour savoir si j'étais capable de parler de science sur une scène et de déconner avec. Est-ce que ça plaisait aux gens? Est-ce que ça pouvait... voilà, quoi. Mais ça, les sciences, parce que du coup... Déconner les sciences, vous aviez envie de parler de sciences, du coup. Enfin, ça a été taillé un peu à l'arrache, on va dire, avec un résultat qui est quand même tout à fait plausible. J'aimerais être à l'arrache comme ça régulièrement. Et il y avait la volonté de parler de sciences, quand même. Complètement, mais même dans mon précédent spectacle, quand je parlais de musique, alors évidemment, la musique, c'est un sujet que j'ai pas eu besoin d'aller prendre des renseignements ailleurs, je veux dire, je le connais, donc j'ai pu parler techniquement de musique, de théorie et tout ça, mais je veux dire, c'est vraiment la volonté d'être... Je pense que n'importe qui dit ça, mais même des grands réalisateurs comme Spielberg vous diront toujours que ce qui compte, c'est d'être en avance sur les gens qui viennent vous voir, c'est-à-dire d'avoir travaillé sur un sujet, et le fait d'aborder des matières qui sont soit théoriques, soit scientifiques, soit en tout cas d'études, c'est aussi une manière de dire... le but du jeu est que les gens qui viennent fassent un petit chemin vers un truc qu'ils n'ont pas encore atteint ou pas de la même façon chacun. Voilà, c'est le cours, la leçon. Mais de toute façon, dans toutes les pièces de théâtre et dans tous les films, depuis Molière, depuis toujours, il y a une morale. Et une morale, c'est quoi sinon une leçon finalement ? Alors effectivement, on passe plus de temps sur le divertissant que sur la science, mais n'empêche que toutes les œuvres sont censées éveiller un truc jusqu'aux femmes de la fontaine qui nous disent qu'il vaut mieux partir à point que courir. Ben voilà, c'est déjà un petit cours, normalement. Tout à fait. Alors, comme je pense qu'il y a certainement quelques questions dans l'Assemblée,
vu le pas. Hein, peut-être que c'est donc là, il nous reste une petite demi-heure. Alors on va peut-être prendre des questions. Je ne sais pas comment on va agir pour prendre des questions. Il y a un micro et voilà. Deux capi personnes, comme on dit quand on est chez les mathématiciens. Oui. Alors une question ici d'une dame. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans la science ? Qu'est-ce qui me plaît le plus dans la science ? L'humilité, certainement. Mais je sais que les scientifiques ne sont pas d'accord parce que les scientifiques connaissent des autres scientifiques qui ne sont pas humbles et qui sont même chiants et imbus de leur personne. Mais n'empêche que pour le néophyte que je suis, la ligne du scientifique, c'est de dire « je ne sais pas ». Et si je ne sais pas, je vais essayer de comprendre. Et je vais faire un pas après l'autre. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, normalement, sont affranchis du fantasme et notamment du complot. Et pour moi, les gens qui fantasment et qui prétendent qu'il existe un complot sont des gens qui font reculer le savoir, qui le ralentissent. Et pour moi, la position scientifique est naturellement humble et elle permet d'aller là où on est aujourd'hui et là où on ira demain, c'est-à-dire « je ne sais pas ». J'aime la phrase « je ne sais pas » et je trouve que les scientifiques sont ceux qui le disent le mieux. Voilà. Le micro est coupé. Pour revenir sur votre point sur les extraterrestres, je voulais savoir, vous pensez quoi de l'affaire Roswell ? T'as pas vu le spectacle, toi ? Tu viens ce soir ou pas ? J'ai insisté sur mes parents. Ouais. Ma mère m'a dit, non, on n'a pas la voiture, je vais pas venir te chercher. Je vais pas venir te chercher. Les limitations de la maman, elle a pas. C'est une histoire de bagnole. T'as pas pu venir à cause de la bagnole. Ok, je suis désolé pour ça. Mais maintenant que t'es là, t'es obligé de repartir ? Bah oui, elle est. Oh merde. Bon, attends, on va s'arranger, on va trouver une combine. Si ta mère, elle, peut-être on peut. Enfin, on va voir. Non, mais j'essaye d'arranger le coup. Qu'est-ce que je pense de l'affaire Roswell ? Alors j'en parle dans le spectacle, c'est pour ça que je te dis ça. Mais je pense qu'il est assez foufou d'imaginer qu'une vie extraterrestre puisse nous ressembler déjà, physiquement. Je trouve que c'est très anthropocentré, c'est-à-dire que c'est de dire, ok, si on a des cousins quelque part, forcément ils sont comme nous. Ils sont comme nous, mais un peu en mieux peut-être. Bon, ils sont plus intelligents parce qu'ils arrivent à venir et nous on n'arrive pas à y aller. Mais pour moi l'affaire Roswell, c'est, ça part d'un fantasme humain qui est de dire... Il y a des gens qui viennent nous visiter, ils ont la capacité de franchir des années-lumière de distance, ils ont la capacité de résister à tous les problèmes que peut poser un voyage interstellaire, ils sont capables d'aller à des vitesses dingues. En revanche, point de vue pilotage, ils font des conneries, comme nous. C'est-à-dire, ils font des crashs. C'est-à-dire que c'est des mecs qui savent tout faire, mais quand ils arrivent, bon, merde, putain, il y a du vent, boum. Voilà. C'est une intelligence sélective, mais bon, ils savent pas faire des créneaux, les garages en éblie, merde, tout ça, machin. Donc moi, ça me semble complètement foufou. Mais est-ce qu'il y a ici des gens qui tiennent absolument à ce que Roswell existe ? Levez la main, n'ayez pas peur, les gars. Il y en a un là, deux, ici, ça c'est bien. Je suis fier de vous. Ah si, je peux faire un test parce que c'est... Vas-y, bien sûr, en direct, là. Combien ici pensent qu'on n'est jamais allé sur la Lune ? Mais tu sais que t'es pas dans le bon public là. Ah, il y a un 2%. Ouais, enfin, il y en a quand même qui ont les bollocks oui, de lever la main. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça c'est bien. Mais c'est pas beaucoup, tu vois. Non, c'est pas beaucoup. C'est les utopialistes, ça rigole pas. Tu sais pas, toi ? Non, mais là, moi j'ai passé du temps avec des mecs qui savent, hein. Je t'assure qu'on y est allé. Tu jures. Moi j'y suis pas allé, mais franchement, ah, non. Roland, non, allez, on est d'accord, on peut clore le débat, on y est allé. Ah bah oui, ouais, voilà, on y est allé. Non, détendez-vous là-dessus, on y est, c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'on va y retourner ? C'est un autre problème. Il paraît qu'on saurait même pas y retourner là. Non, parce que figure-toi, les plans de la fusée Saturne V, on sait plus reconstruire la fusée comme elle est, une partie des plans ont disparu, sur des supports qu'on sait plus lire. Enfin voilà, ça s'appelle l'obsolescence technique, quoi. Si on ne fait pas attention à maintenir son savoir, le savoir disparaît. D'ailleurs, regardez-vous en histoire, ceux qui ne sont pas historiens de profession dans la salle, qu'est-ce que vous rappelez de vos cours d'histoire de lycée ? Pas grand-chose, que vous ne la pratiquez pas. Et la science, c'est pareil. C'est une catastrophe, c'est une déliquescence. C'est une catastrophe. 1515, la chute de l'Empire romain, ah ouais, ça c'est bien. Est-ce qu'il y a une autre question ? Alors, voilà, il y a une dame ici à gauche. Oui, une dame qui vous a vu ce matin pour votre conférence, monsieur Lehou, qui oui. Était sensationnelle. Et je prends un petit peu d'avance sur la sortie forcée du DVD l'exoconférence. Est-ce que vous pensez mettre en bonus ? J'espère que ça a été filmé ce matin, mais la conférence magnifique de monsieur Lehou ce matin, qui
complète bien votre spectacle. Alors, on l'a pas fait parce que Roland m'a dit ce matin, je veux pas être filmé parce que j'ai pas eu ma maquilleuse. Donc, bon, voilà, on est sans arrêt. Moi, j'ai bossé avec Adjani, tout ça. Je sais ce que c'est que la coquetterie. Donc, j'étais pas assez, tu voyais ça. Il brillait. Voilà, il m'a dit, je brille, fous-moi la paix, ne me filme pas. Bon, voilà. Donc, non, mais on aura, je sais pas ce qu'on va mettre dans les bonus, mais j'ai 2-3 bricoles marrantes. Ouais. Il y a une question là-bas. Hein, monsieur. Oui, dans votre spectacle, les cathos prennent un peu cher. Science et religion, ça veut dire quoi pour vous? On va pas rentrer dans un débat trop long, mais alors, d'un point de vue, pour moi, les religions, pour faire très court, je pense qu'elles ont pu être utiles à un certain moment de l'histoire, à des moments de l'histoire. Je pense qu'aujourd'hui, là, ça nous fait ramer, hein, qu'on est un peu à la pagaie. À cause des religions, n'importe lesquelles, notamment quand les gens commencent à être un petit peu sérieux avec, notamment, et un peu tendus, je pense qu'on devrait laisser tomber un peu ça maintenant et se concentrer sur les choses qu'on sait, sur l'exploration de notre monde d'un point de vue purement concret, parce qu'il y a autant de poésie finalement dans la religion, il y a autant de choses magnifiques à en tirer. Et surtout, je pense que ça nous fait avancer réellement. La religion, pour moi, nous fait reculer, très clairement. Les religions nous font reculer. Bonjour. Bonjour. Vous avez remarqué donc qu'il n'y a que les gens de devant qui ont le micro. Hein. S'il y a des questions au fond, c'est pas la peine d'espérer. Non, c'est râpé. Je peux pas. Est-ce que pendant votre étude sur la science-fiction, pour préparer votre spectacle, vous vous êtes un peu nourri aussi de science-fiction, justement, de littérature de science-fiction? C'était pas le but, non, justement, parce que le problème est de s'attacher au fantasme commun sur les extraterrestres. Le fantasme sur les extraterrestres, pour moi, qui suit, attention, Rencontre du troisième type, c'est un de mes films préférés, hein, donc je ne démonte pas la littérature ni la culture. Mais c'est vrai que le trajet qui m'a fait faire le plus joli pas en avant en tant qu'auteur, c'est le trajet que m'ont proposé les astrophysiciens, les physiciens, les gens du GEPAN notamment à Toulouse, et les gens qui sont là vraiment pour étudier les phénomènes, pour étudier les observations, pour enquêter dessus, parce qu'on est un des rares pays au monde qui propose un service d'État qui est là pour enquêter sur les observations quotidiennes de phénomènes atmosphériques non identifiés. Donc ça vaut le coup de rencontrer ces gens-là. Et d'une manière générale, que ce soit pour ce sujet ou tous les autres, je m'inspire rarement de fiction des autres. Je m'inspire plutôt de faits. Pour Arthur, je me suis 100 fois plus inspiré d'archéologie que de littérature. Pour ce que je fais là, ou pour Bach, je me suis inspiré de courriers de Bach, beaucoup, qu'il envoyait à sa hiérarchie, qu'il envoyait à ses détracteurs. Mais je pense que la fiction se nourrit de faits. La fiction qui se nourrit de fiction me paraît un peu louche, des fois. Elle se mord la queue, il me semble. Quand vous dites ça, c'est étonnant, parce que au début de la science-fiction, un peu de 2 minutes d'histoire de la science-fiction, il y avait la scientifiction avant que ça soit la science-fiction. Ça s'appelait la scientifiction. Et puis c'est devenu, quelques années après, fin des années 20, la science-fiction. Et la science-fiction, il y avait un logo. Il y avait un logo qui a été prévu par un illustrateur qui s'appelle Frank Paul. Et dans ce logo, la science-fiction, il y avait les facts et la théorie. La théorie, c'était l'imagination, et les facts, c'était les faits. C'était exactement ce que vous êtes en train de dire. Alors, il y avait de la mécanique pour dire les machines. Il y avait de la mécanique avec des rayons de rouages en forme d'éclair pour dire l'électricité, qui était là aussi comme force motrice. Et il y avait des étoiles, évidemment, et la planète Saturne, très reconnaissable avec ses anneaux, pour montrer l'espace. Et donc, il y avait exactement ça, le balance entre les faits et la théorie telle que c'est écrite, donc l'imagination. Donc c'est assez étonnant que ça soit... C'est pareil, finalement. Il fait de la science-fiction, en fait, d'une certaine façon. Mais voilà. Ça marche? Et ça? Ah, voilà. Donc désolé d'être devant. Si jamais tu avais l'opportunité de prendre un taxi intercellaire à aller unique, est-ce que tu le prends? Non. Vous avez entendu la question? Si jamais j'avais l'occasion de faire un trajet unique, un aller simple pour un astre, voilà.
Non, je ne le prendrai pas. Parce que, alors, effectivement, deux choses. Premièrement, le fait d'avoir discuté physique, etc., notamment avec Roland ou avec Étienne Klein, par exemple, quand même a mis le doigt sur un truc qui est fait qu'on est vraiment fait pour vivre ici. Nous sommes en tout point physiquement, moralement, fabriqués pour supporter exactement les données qui sont ici, en gravitation, en température. Et je pense que c'est très facile. On met un pied dehors et tout déconne. Ne serait-ce que les mecs dans l'ISS, hein, dont la musculature est modifiée, ça fait des mutants, carrément. Si on les laissait 3 ans ou 6 ans de plus, ils ne ressembleraient plus à rien. Donc, déjà, je pense que c'est magnifique, mais que ce n'est pas fait pour nous. En tout cas, ce n'est pas fait pour qu'on y aille, si ce n'est des dingos ou des explorateurs. De plus, j'ai des enfants et je pense qu'il vaut mieux que je passe une heure avec eux, même à m'engueuler ou à faire le con, plutôt que d'aller dehors. Et je crois qu'en fait, être ici avec des gens que j'aime, finalement, est certainement la meilleure chose qui puisse m'arriver. Je crois. Mais si on prend un mec qui n'a pas de famille, qui n'a que des mauvais souvenirs ici, qui s'est fait lourder de partout, et pour qui... Je pense que, ouais, pourquoi pas. Lui, ouais. Lui, il verrait un truc, au moins, bon, il se passerait quelque chose, ouais. Mais moi, comme ça va bien, j'ai envie de dire, non, non, et rester là. Moi. Une autre question accessible, ça va pas être facile. Hein. Faites tourner pendant qu'on répond. Ça, en fait, dans les micros, il y a une jeune fille à gauche. Bonjour. Dans tout ce que vous avez lu et entendu sur la science-fiction, quelle découverte vous a le plus étonné, en fait? La relativité. Très nettement, la relativité, d'une manière générale, les distances qui nous séparent des astres lointains, en tout cas de tous les astres, des exoplanètes, et la relativité. Le fait que la vitesse de la lumière soit une constante, et notamment que la vitesse de la lumière qui est, pour nous, le symbole de la vitesse, le symbole de la rapidité, puisque pour nous, elle apparaît instantanée, en fait, à échelle spatiale, la vitesse de la lumière, c'est quelque chose d'assez lent. Et c'est la lenteur de la vitesse de la lumière qui fait l'impossibilité de communication, l'impossibilité de voyage, et le fait qu'on soit sur une île déserte, loin de tout, est notamment dû, je me trompe peut-être, à la lenteur, entre guillemets, de la vitesse de la lumière. La lenteur relative aux distances qui nous séparent, évidemment. Dans la pièce, la vitesse de la lumière, ça va, elle va assez vite. Là. Non, pour là, ça va. Enfin, je veux dire, tout va bien. On sent le retard du projo, mais ça passe. Honnêtement, ça passe. Quand on allume, c'est vrai que des fois, quand on allume la lumière dans une grande salle comme ça, on voit l'onde de lumière arriver. Ouais. C'est pas lumineux d'un coup. Donc des fois, ça pose des problèmes. Ouais. Mais bon, faut pas cligner les yeux au même moment. C'est ça. Bonjour. Alors, bonjour. J'ai pas pu avoir de place pour les conférences. Peut-être que vous y répondez aussi. Ce que vous avez appris pendant les recherches, c'est une chose, mais est-ce que il y a quelque chose, qu'est-ce que vous avez pu en tirer à titre plus personnel? Est-ce que ça vous avait avancé ou... Bah, comme ça marche bien, du pognon, hein. Donc, non, mais ça, c'est une bonne chose, parce qu'après, il y a des frais, bon, il y a des impôts, il y a tout ça. Sur le plan personnel, j'ai pu réaliser un rêve, c'est-à-dire côtoyer les gens que je ne peux pas côtoyer parce que je ne fais pas leur métier. Il se trouve que les gens de l'Observatoire de Paris, que j'admire beaucoup, que les gens comme Étienne Klein, comme Roland qui est là, c'est des gens qui, quand on va les voir et qu'on leur dit « je voudrais faire un spectacle qui va probablement accueillir beaucoup de gens et je ne voudrais pas dire de conneries, est-ce que vous pouvez m'aider ?» sont des gens qui sont extrêmement généreux de leur savoir. Et je pense que la position très privilégiée que j'ai eue pendant ces études m'a conféré, pendant la visite de l'Observatoire, la visite de l'horloge atomique, la visite du CNES, la visite du GEPAN, une position extrêmement enviable pour beaucoup. Et je pense que ce que j'en ai tiré, c'est le petit pas que j'ai mis dans un métier que j'aurais toujours rêvé faire. Et c'est le meilleur souvenir que j'ai du parcours qui m'a séparé de l'écriture du spectacle. Après, maintenant, ce que j'en vis, c'est aussi merveilleux. Les gens qui viennent me voir et tout ça, et le spectacle. Mais ce que j'en ai tiré au point de vue personnel, c'est ça. C'est cette incursion dans le monde scientifique qui me manque. Oui, bonjour Isid. Déjà, bonjour. Moi j'ai vu le spectacle hier, bravo, parce qu'il est vraiment excellent. Il y a
Il y a un moment où vous évoquez les très rares cas qui n'ont pas été expliqués. Vous vous expliquez bien que voilà, il y a quand même une petite partie qui reste étonnante. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Et est-ce qu'on peut potentiellement conclure qu'on a peut-être quand même déjà été visité? Ou alors, qu'est-ce que c'est que ces cas qui ne sont pas expliqués? Si vous voulez mon avis personnel? Oui, personnel. Alors, mon avis personnel sur les choses qui n'ont pas été expliquées, sachant qu'au GEPAN, par exemple, l'organisme français d'étude de ces phénomènes, il y a une classification, elle est en lettres, il y a les cas A, B, C, D, D1, D2, sachant que D2 sont les cas les plus, sur le territoire français, sont les cas qui résistent à toutes les expertises, on ne peut pas les confondre avec autre chose, voilà, etc. Mon avis, c'est qu'ils sont terrestres. Mon avis, c'est que l'inconnu, l'extraordinaire, est terrestre. Il y a 100 milliards de fois plus de chances que quand il y a un ovni, un objet non identifié dans le ciel, ce soit le fait d'un milliardaire quelque part sur la planète qui finance en secret des opérations d'aviation, je ne sais pas, qui a financé un projet d'ingénierie. C'est 100 milliards de fois plus probable de parler de ça que de parler d'une visite extraterrestre, pour moi. Moi, j'ai pas vu le spectacle hier soir. D'un côté, j'ai assuré, parce qu'à priori, c'était un peu raté. je le vois ce soir. Alors, je réponds tout de suite, hein, j'ai pas de bagnole, j'y vais en transport en commun. Donc, des spoilers. Là. Alors, ça serait bien, par contre, que tu ramènes... parce que... Non, je suis en bus. Ou en vélo. Allez. Voilà, je suis un peu déçu parce que ça a quand même beaucoup teasé, quoi. Voilà. Ça a beaucoup quoi? Teasé. Il y a beaucoup de spoils qui ont été donnés. Ah, il y a un peu de spoil, ouais. Mais pourquoi tu viens aussi? Moi, je viens pour prendre le truc, quand même. Je suis un super. D'accord. Fan, donc, ouais. Et la question, c'était... il y a eu l'histoire, il y a eu la musique, il y a eu la science. C'est quoi la suite de l'aventure d'Alexandre Astier? Ah ah. Eh bien, il y a quelques sujets, donc j'ai 40 ans, donc je ne sais pas combien de projets il peut me rester à faire, sachant qu'il y a quand même quelques années pour chaque. Donc il faut bien se concentrer à ne pas faire de conneries, de trucs pour rien. Donc dans les sujets que je suis sûr de traiter un jour, je ne sais pas dans quel ordre, il y a la bête du Gévaudan, puisque je suis moi-même, donc les Astiers depuis le 14e siècle sont du Gévaudan, et voilà, j'ai un rapport particulier avec cette histoire depuis mon plus jeune âge. Mais ça les gens n'en ont rien à foutre, mais il y a la suite de la saga Kaamelott qu'il faut que je raconte. Et il y a une chose qui me tient très à cœur, c'est l'ethnie italienne en France, dont je suis à moitié issu et chez laquelle j'ai été élevé. Et ça va prendre forme par le biais d'une série sur Canal+. Assez prochainement. Et voilà, par exemple, ça, ce sont trois trucs dont je sais que je vais devoir les traiter. Par exemple. Des bonnes nouvelles alors? Ah, je sais pas, ça sera peut-être tout pourrave, hein, mais je vais les faire quand même. Hein. Où est le micro maintenant? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Ah, il est là. Bonjour. Bonjour. Alors, moi, c'est pas une question, c'est en fait un remerciement à tous les deux, en fait, aussi bien à Roland Lehoucq qu'à Alexandre Astier, parce que ce que vous faites l'un comme l'autre, donc l'un dans les conférences et l'autre dans ses livres diverses et variés et ses conférences, c'est ce que j'aimerais réussir à faire plus tard, alors que je suis pas du tout un scientifique, en fait. Je suis juste un thésard un peu cinglé qui travaille sur super-héros, et je suis ancien élève de Phil Walter en médiéval. Et je me suis mis sur le super-héros par la suite pour faire une thèse et pour essayer d'expliquer un peu comment la science arrive à générer des super-héros et ce que les super-héros nous apportent vis-à-vis de la science, comment la science travaille un petit peu ça, comment elle s'amuse de tout ça. Et du coup, avec Roland, j'aimerais beaucoup qu'on arrive à travailler ensemble, si tu me le permets. Il y a une demande, attention, voilà. Il y a une demande officielle, les mecs. Très honnêtement, demande officielle, j'aimerais s'arranger. Qu'on arrive à travailler ensemble sur un article ou sur quelque chose comme ça. Et donc, voilà, très clairement, ce que j'ai vu et entendu dans l'exoconférence, c'est ce que j'aimerais arriver à expliquer. Bon, du point de vue des super-héros, il est vrai, mais voilà, c'est ce que j'aimerais réussir à faire. Et c'est vrai que la situation de chercheur, enfin de doctorant, elle n'est pas toujours facile à vivre. Et je crois que venir ici et entendre des choses comme ça, aussi bien pour Roland que pour Alexandre Astier, c'est très important et ça m'aide beaucoup dans la conviction que j'ai
de faire ce que je fais. Donc merci beaucoup à tous les deux. Merci. Bah, merci Roland, merci à Diane Flamand. Merci de tes moments, c'est tout chargé de comment il fait du temps. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour... Il y a des questions au fond. Il y en a au fond qui vont s'agacer là. Le problème, c'est que vous êtes loin que ce. C'est comme le fond d'univers là-bas, vous vous rendez compte? Mais c'est l'horizon cosmogonique. Exactement. Un désavantage d'être loin, c'est que je vous vois légèrement plus jeune que vous n'êtes en réalité. Ouais. Quelques milliardièmes de seconde, il faut le reconnaître. Et nous, mais de là où on est, c'est ça. C'est et pas c'est mal. Pareil dans l'autre sens. C'est en pas fait, mal. Je suis beaucoup plus jeune que vous me voyez, et lui aussi. Exactement. Donc c'est l'avantage d'être loin, mais évidemment, il y a d'autres inconvénients. Alors est-ce qu'il y a des questions plus pour là, il faut faire passer le micro. Mais ceci dit, un micro sans fil, ça passe normalement. Hein. Enfin, Oui, oui, mais le micro, il est sans fil, mais il faut qu'il revienne. Hein. Ah, ouais. Il peut y avoir une sorte de trou noir de micro au milieu et il ne revient jamais. Elle là, il est juste à gauche. Ouais. Bonjour. Bonjour. À ce soir. Oui. Enfin, moi, je vais passer en tout cas, hein, ça c'est sûr. En fait, je lis la présentation dans le programme et il y a une question. Alors, je la pose. Oui. Aurait-il fait un magnifique auteur de science-fiction ? Il y a marqué ça dans le programme ? À propos d'Alexandre Astier, bien sûr. Ah oui, mais je n'avais pas validé ce programme aussi, c'est ça ? Oui, c'est ça. Vous pas de réponse à cette question ? Est-ce que j'aurais fait... Est-ce que tu aurais envie, finalement, d'écrire de la science-fiction ? Ou est-ce que tu te vois comme... Alors voilà, il y a un truc, donc, pour répondre un peu mieux à la question de monsieur là-bas, qui ne suit pas, qui est dans... Voilà. Vous, oui, tout à fait. Mais qu'est-ce que... Voilà. C'est un prof terrible, hein. S'il y en a un qui bronche une oreille, attention, ça rigole pas. Là-bas... Donc, dans les sujets très importants que je voudrais traiter et que j'ai déjà commencé, sur lesquels j'ai déjà commencé, il y a un truc qui s'appelle... Attention, là, c'est du... Personne ne le sait, en fait, ça. Il y a un truc qui s'appelle Base 4. Voilà, j'ai créé un truc qui s'appelle Base 4, qui peut être considéré comme de la science-fiction. C'est un truc qui parle de... notamment de maths et de numération, et qui me tient très 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 à cœur. Et pour le moment, je ne l'ai pas commencé parce que c'est un truc qui... Enfin, j'ai commencé à l'écrire, mais je n'ai pas commencé à le produire parce que c'est un truc qui demande un peu de moyens et que je veux faire correctement. Mais un jour, vous en entendrez parler, enfin en tout cas, grâce à Dieu, j'espère, parce que c'est un truc voilà, auquel je tiens beaucoup. Parce que pour prolonger un peu la question... Tout à l'heure, on disait que finalement, dans ta façon de mélanger faits scientifiques, disons, parce que tu inspires de science et imagination, ça ressemble à ce qui s'appelait la scientifiction qui est devenue la science-fiction. Tu évoques des thèmes de science dans un univers fictionnel qui n'est pas entièrement fictionnel, mais que tu. Il y a ces scénettes théâtralisées qui montrent quelque chose. Donc il y a une part de fiction, parce que c'est, tu inventes finalement une discussion, Fermi. Alors je ne vais pas tout dire parce que sinon. Ça avait agacé notre ami pour ce soir. Enfin, il y a des scénettes entre des morceaux de conférences, on n'en dit pas plus. Et du coup, il y a une part de fiction et il y a de la science dedans. Donc c'est peut-être pas si éloigné que ça, ce travail de la science-fiction. Peut-être pas de la science-fiction, disons, canonique, la science-fiction mainstream, mais c'est une part de science et de fiction plutôt que de science-fiction. Ben en tout cas, je suis sûr d'avoir un réflexe qui se confirme maintenant, malgré l'âge et, et l'expérience, c'est que Base 4, dont je viens de parler là, notamment j'ai eu besoin de savoir, pour commencer à l'écrire, quels avaient, dans les choix technologiques qu'on a fait dans notre évolution, c'est-à-dire, on est d'accord que nous, le pétrole a pris le pas sur l'électricité pour les transports à une époque où, en fait, on était à un embranchement et où ça aurait pu être autre chose. Et en fait, n'importe quoi qu'on tienne dans nos mains, n'importe quoi qu'on utilise tous les jours, est quand même le résultat d'un choix d'une branche technologique qui aurait pu en être une autre. Donc il a fallu que je me pose la question de savoir quelle autre branche on aurait pu prendre à la place du pétrole, par exemple, à la place de l'électricité, à la place du véhicule roulant, etc. Et pour ça... Je me suis encore plongé effectivement dans une observation un peu scientifique avec notamment des gens du Conservatoire des Arts et Métiers à Paris. C'est encore et toujours, et je continue d'y croire, les faits qui sont le plus inspirant pour la fiction. C'est encore une fois les choses observées qui inspirent le plus les choses non observables que sont l'inspiration et l'invention. Et pour La Bête du Gévaudan, c'est pareil. Il a fallu enquêter parce qu'on a... Comme n'importe quelle mythologie, la bête du Gévaudan a suivi les mythes de tous les siècles. C'est-à-dire que quand, à l'époque de la bête elle-même, à la fin du XVIIIe, il s'agissait que le monstre soit divin, parce que un monstre à l'époque ne pouvait être qu'une punition divine.
Et aujourd'hui, à l'époque où on défend le loup et sa réintroduction, etc., le monstre ne peut pas être un loup. Donc le monstre est humain. Donc avec les mêmes faits réels qui se sont passés, on a fait tantôt un diable, tantôt un serial killer aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un monstre ne peut être qu'humain. C'est l'homme qui est mauvais. Et en fait, pour voir clair à travers tout ça, il ne reste que la science, que l'observation, que le savoir des zoologues, des éthologues, des gens qui sont spécialistes de l'Ancien Régime, des politologues qui ont étudié l'époque de Versailles, etc. Et encore une fois, c'est 100 milliards de fois plus intéressant de travailler avec des gens qui observent et qui tâchent de comprendre plutôt qu'avec des gens qui ont une théorie déjà fictionnelle. C'est comme en musique, une corde, ça résonne sur un manche rigide. Ça ne peut pas résonner. Deux trucs mous, ça ne résonne pas. Donc il faut un truc rigide pour moi, pour pouvoir inventer dessus. Et la science, en tout cas l'observation, me paraît le truc le plus inspirant qui soit. Super. Je sais pas, j'en sais rien. Ça me va. Il y a peut-être une ultime question, parce que là, il est bientôt 16h. Une ultime question, monsieur. Bonjour. Bonjour. J'aimerais vous poser une question que j'imagine beaucoup se posent dans la salle, même si elle est complètement hors sujet. Est-ce que vous pouvez nous rassurer sur la suite, évidemment, de Kaamelott, rassurer votre fanbase, parce qu'avec tout ce qui s'est passé sur Twitter, j'avoue que beaucoup ont tremblé. Mais on en est où sur Twitter, du coup? Qu'est-ce qui se dit? Parce que... beaucoup de merde, excusez-moi. Mais non, mais ouais, de la merde. Mais bon, parce que le problème, c'est que dès que je dis deux mots, vous avez... Oui, c'est... tout à fait. Alors non, tout bêtement, la raison pour laquelle je parle pas trop de tout ça, parce que c'est juste parce que c'est pas très intéressant, parce que le problème est juridique. Donc voilà, c'est déjà chiant pour moi, alors pour vous, je vous raconte pas. Enfin, c'est... Moi, je peux même pas interagir, c'est une histoire de chaîne de droit. Il se trouve que pour vous la faire courte, la suite de Kaamelott, premièrement, j'ai intérêt, moi, à ce que du temps passe entre la fin de la série et la suite. Parce que j'ai besoin de vieillir, physiquement. Et les autres aussi. Ce sera beaucoup plus classe si on a pris un peu de... Voilà. Bon, faut pas qu'il y en ait qui décèdent, ça c'est le risque, mais... Voilà, attention, là, hein. Ah non, mais t'as je vérifie... T'as l'imprudence, je vérifie hein. le... Pas de voyage, one way to Mars, etc. Je vais faire des bilans sanguins à mon père et tout. Non, je... Ça, non, mais il y a une vérification, il y a une surveillance. Mais... il se trouve que moi ça m'arrange que ça dure un petit peu. Deuxièmement, je veux faire ça à l'artisanal, c'est-à-dire que ça devient un gros projet, tout ce qui devient un gros projet coûte cher, tout ce qui coûte cher commence à concerner beaucoup trop de gens à mon goût dans la sphère. Donc c'est très simple, il faut que ça reste artisanal, et pour que ça reste artisanal, il faut que je m'en occupe moi, avec mon complice Jean-Christophe Ambert et Agathe Soffer, avec qui on a formé Régular. Et pour que Régular s'en occupe, il faut que les droits fassent un petit trajet, il faut que je les rachète, il faut que je les récupère, il faut qu'ils passent à droite, à gauche, etc. Et c'est très chiant, très juridique, ça n'intéresse pas beaucoup le public, c'est pour ça que je ne l'étale pas, parce que... Au bout d'un moment, ce qui compte, c'est de faire un film, un chouette film, et il n'y a pas de notion de tout ça dans le résultat. Donc, je vous le dis à vous, parce que, voilà, c'est, on est ici aux Utopiales, c'est science-fiction, mais c'est peut-être pas, un public. On est bien d'accord, ça sort pas d'ici. On je a sais les bien noms, que ça sortira on a pas les de noms, là. Mais ça sort pas d'ici, c'est bien. On a confiance, c'est là, c'est, ça serait comme ça. Mais, en gros, il n'a jamais été question que je ne raconte pas la fin de mon histoire. Il n'en est pas question, je la raconterai, et le truc n'est pas en danger, parce qu'il se passe plutôt bien, ça négocie, mais je suis un peu assis sur ma position en disant je le ferai quand ça me conviendra, et je le ferai pas à l'arrache pour faire plaisir aux uns et aux autres, notamment parce que le temps qui passe, encore une fois, mais plutôt profitable, c'est-à-dire qu'il est profitable à l'œuvre, pas à moi spécialement. Mais ce sera plus classe quand on reviendra si... Mais ça se décoince, il ne faut pas s'inquiéter. On s'en occupe, en tout cas, on s'en occupe tout le temps. Il n'y a jamais eu d'abandon de ma part, ça c'est sûr. Donc... Voilà, une bonne nouvelle. Pour conclure cette rencontre avec la région Lascaux, merci infiniment d'être venus si nombreux. Merci vraiment infiniment d'être venus si nombreux. Du coup, profitez des Utopiales aussi, hein, repartez pas direct. Hein. Il y a tout un tas de trucs sympas à voir. Il y a Sarah Doc qui est ici pour la table ronde suivante. Et donc, voilà, merci à vous et bonne fin de journée, bonne fin d'Utopia. Merci beaucoup. Ciao. Salut.